Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons suivre la célèbre route romantique allemande. Nous visiterons des villes et des villages pleins de charme et des châteaux d'exception. Installez-vous confortablement et suivez-nous pour ce circuit le long de la route romantique de Bavière. Ce circuit est constitué d'un exceptionnel mélange de nature, de villages et de châteaux. Les 400 km de ce road trip sont bordés d'une trentaine de villes qui, si elles se ressemblent, ont toutes leurs particularités. Nous avons exploré celles qui reçoivent le plus d'éloges et vous découvrirez dans cette vidéo nos coups de cœur. Nous sommes partis du sud, près de la frontière autrichienne. C'est la porte d'entrée des Alpes bavaroises. Les paysages y sont magnifiques et le mot « romantique » prend ici tout son sens. Première escale, Fusen, une ville fortifiée bordée par une large rivière. Il règne ici une atmosphère particulière, presque italienne. Les rues pittoresques sont animées et les maisons de style baroque sont joliment décorées. Au cœur de la cité, le château de la fin du XIIIe siècle était à l'origine un lieu important et commercial qui a apporté la notoriété à la ville. Longeant la rivière, nous arrivons dans une gorge où une retenue d'eau crée une cascade au bleu lumineux. Le point d'orgue de ce secteur se situe à quelques kilomètres de Fusen. C'est le château le plus emblématique d'Allemagne. On le doit à l'excentrique roi Louis II de Bavière. Depuis le parking, plutôt que les bus ou les charrettes à touristes, nous choisissons d'y monter à pied à travers la forêt. Une bien belle grimpette qui nous fait apprécier encore plus la découverte du monument depuis ce pont. Ce château est sans nul doute l'un des plus connus au monde. Il faut dire qu'il a inspiré Walt Disney pour La Belle au bois dormant. Cet ouvrage est une merveille digne d'un conte de fées, ses flèches, tourelles, balcons sont fantastiques. L'intérieur dévoile un monde imaginaire, né des opéras de Wagner, peuplé de fées, de reines, de princesses, voire de sorcières. Au milieu de ce magnifique paysage, il faut aussi admirer l'autre château, qui mériterait d'être mis plus en avant comme son frère si célèbre. Augsbourg est une ville vivante à l'atmosphère typiquement bavaroise. De son passé glorieux du XIVe et du XVe siècle, la ville a conservé des palais et des églises à profusion, ainsi que beaucoup de demeures bourgeoises alignées le long des boulevards. Nous avons apprécié la visite de l'hôtel de ville avec son incroyable salle dorée à l'or fin des murs au plafond. En une demi-journée, nous n'avons fait que survoler Augsbourg.
Pourtant, il semble y avoir plein d'autres choses à voir et notamment pas mal de musées. Harbourg est situé à peu près au milieu de la route romantique. Le village est charmant. Traverser son pont de pierre et se balader dans le labyrinthe de ses ruelles est très agréable. Une balade en barque sur la rivière au milieu des canards et des nénuphars accentue encore plus le romantisme de l'endroit. Pour grimper jusqu'au château, deux sentiers sont possibles. Ils sont bordés d'objets pour le moins insolites. Le château est l'un des mieux conservés de la région, avec ses tours, sa cour intérieure et ses volets ornés de croix. Dommage que la visite, même de l'extérieur, soit payante. Tout le long de cette réputée route romantique, il y a des villes, des villages et des bourgades comme celle-ci, avec son centre ancien et son château, qui nous ont vraiment séduits, un véritable coup de cœur. À Norlingen, nous avons fait la pause casse-croûte dans un charmant petit parc en plein centre-ville. Nous retenons de Norlingen la possibilité de faire le tour complet de la ville sur ses remparts remarquablement conservés. Un circuit de plusieurs kilomètres à l'abri du soleil avec de belles vues sur les monuments et les maisons à colombages. Une atmosphère parfaite pour s'imprégner de l'histoire et de la douceur de vivre de cette cité médiévale. Il faut savoir que Norlingen se trouve au milieu d'un cratère géant créé il y a 15 millions d'années par un astéroïde. Un événement extraterrestre qui s'ajoute à la magie de la ville. Voici une autre étape romantique avec des maisons de cartes postales particulièrement photogéniques. Certaines de ces bâtisses bien conservées sont très anciennes et ont eu bien des vies. Les remparts, là aussi, sont impressionnants, mais une bonne partie sont privés et habités. À leurs pieds, on peut se promener dans de sympathiques jardins fleuris. Comme toutes ces villes, les façades colorées sont ornées d'enseignes stylées. Autre trésor d'architecture, l'église incarne également l'histoire et l'art de cette cité. Les places et les fontaines entourées de maisons à colombages
nous transporte dans l'atmosphère d'une époque lointaine, un voyage intemporel avec en prime les cigognes nichées sur les hauteurs. Rothenburg est une autre merveille médiévale haute en couleur restée pratiquement intacte depuis le XVIIe siècle. Symbole du romantisme allemand, le nom de cette ville se traduit littéralement par « forteresse rouge au-dessus de la rivière Tauber ». C'est une destination très populaire qui, paraît-il, a inspiré Walt Disney pour la création de Pinocchio. La ville est particulièrement connue et appréciée pour ses murs d'enceinte hérissés de 42 tours. Elles sont encore praticables. Nous avons d'ailleurs parcouru une partie des remparts qui offre de belles vues sur la ville. Les murs d'enceinte sont incrustés de plaques en l'honneur des généreux donateurs qui ont permis la restauration de ce patrimoine. Depuis l'une des tours, nous avons découvert une immense zone couverte encore accessible. L'un des musts de cette cité, c'est la place du marché, avec son hôtel de ville gothique à la façade sophistiquée. Tout autour se trouvent de nombreux bâtiments nobles, dont les vitrines sont particulièrement soignées. Rothenburg se parcourt rapidement à pied, mais les innombrables possibilités de photos peuvent demander plus de temps. Cette ville est une curiosité de premier plan, parmi les mieux conservées de toute l'Europe. Elle témoigne de l'important passé médiéval allemand. Plus au nord, Würzburg fut la dernière étape de ce road trip. Vous pouvez découvrir la ville dans notre vidéo dédiée. À travers toutes ces villes, on se rend compte de l'ancienneté de la région et de la richesse de son patrimoine. Fondée en 1950, la route romantique a su imprégner sa marque. Il faut dire qu'avec une telle concentration d'art et de culture, un voyage sur la Romantic Road est une aventure fascinante. Un circuit parfait pour découvrir la Bavière.